Bonsoir, euh, bienvenue à cette sixième et dernière conférence de la série euh, des six grandes conférences de la Semaine de la Science de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Alors, euh, last but not least, cette sixième euh, conférence sera donnée, prononcée, comme on dit, par Jalil Bnani. Jalil Benani, euh, que beaucoup de gens connaissent, mais bon, il faut quand même le présenter, qui est psychiatre, psychanalyste aussi, à Rabat, titulaire de l'habilitation à diriger des recherches de l'université de Nice, Sophia Antipolis, chercheur associé euh, au CRPMS, président du Cercle psychanalytique du Maroc, enfin, il y a beaucoup de titres, auteur de plusieurs ouvrages, euh, même de la fiction, <laughs> et qui a reçu en 2002 euh, le prix Sigmund Freud, de la ville de Vienne pour l'ensemble de son œuvre. Le prix Sigmund Freud pour un psychanalyste, c'est à peu près le Nobel, d'une certaine façon. Euh, la question que, que j'ai voulu poser euh, à Gélil et à laquelle euh, il va répondre est une question qui n'est pas du tout récente. La question c'est la psychanalyse est-elle une science En réalité, cette question se pose depuis, disons, le, le début de la psychanalyse. On sait que Gélil <laughs> le sait le... Le premier ouvrage publié par Freud, je crois que ça s'appelait « L'interprétation des rêves » en 1900, le, le fameux « Traum Deutung » et beaucoup de gens <laughs> croyaient que c'était de l'astrologie déjà, <laughs> déjà, parce qu'on interprétait les rêves. Mais euh, pourquoi est-ce que euh, j'ai voulu poser cette question à Gélil C'est parce que dans la semaine de la science, il faut quand même se rendre compte qu'on n'a pas toujours défini ce que c'est que la science. Et on, croit ça, on croit savoir instinctivement ce que c'est qu'une science. Et voilà donc quelque chose qui, est, qui a un caractère euh, très sérieux, la, la psychanalyse, le freudisme, etc., mais qui pour certaines personnes euh, n'est pas forcément une science pour mille raisons. Donc c'est euh, une bonne occasion non seulement de parler de psychanalyse avec peut-être le meilleur connaisseur euh, du Maroc, en tout cas de, de, de cette question, mais aussi simplement de tourner autour de, de cette question, qu'est-ce qu'une science voilà, alors je vais descendre de l'estrade et je passe la parole à Jalil Binani. Merci beaucoup, Fouad. Merci beaucoup à l'Université Mohamed Polytechnique. Et grand bonjour aux étudiants, puisque cette conférence s'adresse d'abord aux étudiants, comme l'a expliqué Sélaroui. Mais évidemment, bon, comme il y a une, un large public, j'ai cru comprendre. Euh, il y aura des questions que le, qui, qui, qui ouvriront au-delà de, de l'aspect didactique. Donc, j'ai voulu être didactique, comme on me l'a demandé. Et euh, cette question euh, qui est tout à fait pertinente, euh, c'est la raison de dire qu'elle n'est qu pas nouvelle, elle est classique, elle est ancienne, mais elle revient chaque fois, elle fait l'actualité. Elle fait l'actualité, ce qui prouve bien que la, la question de la science, c'est une chose qui qui reste à définir comme euh, vous l'avez très bien dit euh, la science c'est un mouvement c'est une recherche c'est des tâtonnements on le voit bien aujourd'hui avec le covid c'est quand même euh, voilà euh, une euh, une façon vivante quoi très vivante de voir comment, comment se déroule la, la recherche donc euh, cette question je suis euh, vraiment vraiment très très j'ai été, été très partant pour pour cette pour répondre et réfléchir à cette question, hein, sans que ce soit des réponses définitives. Alors, euh, comme évidemment, il euh, y a des gens qui connaissent très bien la psychanalyse et d'autres qui la connaissent pas. Ben, écoutez, donc, euh, on va faire un compromis. Je devrais quand même un peu rappeler les concepts de base de, de la psychanalyse, non sans justement évoluer sur cette question de de de, de, de la science. Alors, donc, je commencerai par cela. Ensuite, euh, si vous voulez, je, je ferai les liens. Je, je, je parlerai des liens entre la psychanalyse et, et, et la science. Et puis, ce qui peut vous intéresser et intéresser le large public, c'est que euh, justement, comme ça a été bien pointé, le fait que je suis araba, et tout en communiquant beaucoup euh, à l'extérieur, euh, je, je, je vous parlerai de ces questions, comment elles se posent chez nous, dans ma culture, dans ma langue et euh avec des patients qui euh, avec des patients qui, qui qui ont fréquenté différents lieux donc euh, traditionnels voilà alors écoutez pour pour faire vite et simple dans les rappels la la, la, la psychanalyse c'est une technique d'exploration de, de des mécanismes inconscients c'est pas c'est Freud le, le le fondateur de la psychanalyse euh, il n'a pas fondé l'inconscient la, la notion de l'inconscient existait bien avant Freud Certains philosophes de l'Antiquité et même chez les mystiques, on la trouve. Euh, on la trouve. L'un des premiers penseurs qui a parlé de l'inconscient comme faille de la conscience, c'était Leibniz. Et puis, j'en viendrai ensuite à, à la question de, de, des trucs, des, des, des pratiques traditionnelles, la transe, l'exorcisme, l'hypnose, tout ça. Tout ça, si vous voulez, ce sont des, ce sont des pratiques qui mettent en jeu l'inconscient. Alors, euh, pour rentrer dans le vif du sujet. C'est intéressant de, de, souligner comment la psychanalyse a été découverte. Et je souligne d'emblée que la psychanalyse est liée, la découverte psychanalytique est liée au développement de la science moderne. Et je vais vous, je vais vous dire pourquoi. Freud, vous savez, est, au début, c'était, c'était un neurologue et c'était un, un médecin qui travaillait avec les méthodes de la médecine. Il était même intéressé par l'anatomopathologie, c'est-à-dire la recherche euh, des causes organiques dans, dans les maladies, l'histologie, les types des tissus. Donc c'était vraiment un, un, un scientifique euh, pur, comme on les appelle, c'est-à-dire avec euh, le, la, la recherche de l'objectivité, la recherche de preuves, etc., etc. Et puis bon, en, en, en cheminant, eh bien, il est allé dans un, un, un chemin opposé pour deux raisons. Hein. D'abord parce que parce qu'à l'époque, euh, il était bien conscient que la biologie c'était quelque chose de très très important mais à l'époque au début du euh, au début du siècle euh, non pas dernier mais le précédent donc les les les, euh, les, 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 les 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 sciences avaient une très faible avancée donc il a vu que de toute façon il n'allait pas apporter grand chose sur ces questions et euh, alors comment comment il en est arrivé là d'abord euh, d'abord il a eu il a eu une rencontre avec le grand psychiatre euh, parisien de la salpêtrière qui a travaillé, qui était Jean-Martin Charcot, qui a travaillé sur, sur l'hystérie. Voilà. L'hystérie, il faut le dire, c'est le, le début de, de la psychanalyse. Alors, Charcot, c'est quelqu'un qui, euh, c'est un neurologue, si vous voulez, qui s'est intéressé euh, aux au causes euh, euh, au cause physiques, traumatiques de l'hystérie. Pour lui, l'hystérie, avec ses symptômes, a reçu un choc traumatique et elle a de ce fait des lésions. alors vous savez déjà c'était c'était une avancée scientifique considérable parce que avant charcot évidemment les hystériques étaient mêlés, étaient confondus ou, ou désignés comme des sorcières. dans l'antiquité, mot l'hystérie vient de utérus. on croyait que c'était l'hystérie. l'utérus qui monte et qui descend dans le corps qui provoque les crises, etc. donc du point de vue scientifique, c'est une c'était une avancée considérable. Et euh, donc euh, Charcot a euh, ce qu'il a fait pour 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 démontrer euh, sa théorie, c'est qu'il a pratiqué avec les patients l'hypnose. Alors sûrement beaucoup de beaucoup connaissent euh, ce voilà, ce tableau. <laughs> ce tableau de la, la c'est la leçon de de Charcot. Alors qu'est-ce qu'il fait là Il fait une présentation de malade et euh, au fur et à mesure de sa présentation la, la patiente, elle tombe en crise. voilà, alors, ce qui a fait décrire, justement, l'hystérie comme suggestible, comme euh, voilà, comme étant simulatrice, parfois, comme étant, en tout cas, sujette à des crises du psychique qui vont, qui vont vers le corps. et ce qui est aussi, ce qui, est aussi, euh, ce qui ce qu a compris ensuite par la suite, c'est que euh, l'hystérie a été souvent décrite par la théâtralisation, et, et, et donc devant un auditoire, eh bien, de toute façon, eh était il fallait qu'elle 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 montre consciemment et inconsciemment surtout que que Charcot avait raison. Alors voilà. Donc Charcot, qu'est-ce qu'il a fait Il a essayé de, de 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 reproduire les crises de 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 ses patientes sous hypnose. Et donc finalement, il provoquait des crises qui étaient artificielles. Alors ça, ça a beaucoup beaucoup marqué beaucoup beaucoup marqué le jeune élève qui était Freud chez chez, chez, chez Charcot et euh, donc il, il Freud donc a, a, a poussé ces a essayé de pousser ces questions d'ailleurs il n'est pas le seul il y avait des grands neurologues à l'époque il y avait Jeannet, il y avait Breuer etc et Freud a commencé à traiter les, les hystériques avec avec l'hypnose et très vite il s'est aperçu qu'au fond euh, ces patientes qui avaient des crises de paralysie de cécité d'agitation quand elles racontaient euh, leurs histoires sous hypnose eh ben les symptômes disparaissaient et il a compris que la parole pouvait guérir ces euh, patients de leurs symptômes alors il a appelé ça la talking cure la cure par la parole et, euh, et à partir de là il a commencé à se démarquer du charcot il a commencé à se démarquer de Charcot en faisant quoi Parce que Charcot c'était un neurologue. Alors d'abord il a cherché des lésions physiques, il ne les a pas trouvées. Et quand il a vu que, euh, euh, comme il a vu que ça se reproduisait d'une façon artificielle, il a conclu qu'il y avait des problèmes de fonctionnement des nerfs, de fonctionnement. Donc c'est quand même des, des, des voilà des, des, des problèmes quand même qui restent euh, liés au corps. Freud s'est détaché de ça et il a théorisé l'idée que l'hystérie à une cause purement psychogène, qui n'a pas, qu pas d'atteinte du tout, ni physique, ni, 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 ni fonctionnelle. Donc il a été, il a été donc, euh, disons, à, à, à l'encontre, enfin il a, il a avancé, bien sûr, il a toujours reconnu que, était, que Charcot, c'était un homme très impressionnant, quelqu'un qui lui a beaucoup apporté, c'est vrai, il était admiré pour son sens de l'observation, il se distinguait à l'époque au milieu de tous les autres médecins et neurologues. Donc Freud en est arrivé à, à donner beaucoup d autant d'importance à ce qu'il entendait et peut-être plus à ce qu'il entendait qu'à ce qu'il voyait. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de d'abord de, 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 il a il a fini par renoncer à l'hypnose parce que les, les, les symptômes qui disparaissent sous hypnose reviennent dès que le patient euh, ou quelque temps après que le patient soit réveillé. Donc il a cherché une méthode dans laquelle les souvenirs donc ces souvenirs traumatiques Reviennent parce que ce sont des souvenirs traumatiques, ce ne sont pas forcément des lésions. Il a cherché la façon de les faire revenir à l'état conscient et il a créé la méthode qu'on appelait et qu'il appelait l'association libre, c'est-à-dire la possibilité de dire tout ce qui vient à l'esprit, etc., que ce soit les rêves ou que ce soit les, les, les fantasmes, que ce soit les, les souvenirs, que ce soit, euh, euh, voilà, les, tout, toutes les pensées qui viennent. Et donc, ces, ces associations libres ont permis, si vous voulez, de faire beaucoup beaucoup évoluer la psychanalyse comme on le fait aujourd'hui à travers les rêves, à travers les mots d'esprit, par exemple les mots d'esprit quand vous dites une chose alors vous pensiez dire une autre, et eh ben c'est quelque chose qui vient de l'inconscient et ça échappe à la censure alors que des fois vous vous dites oh là là pourquoi j'ai dit ça j'ai gaffé les lapsus aussi c'est des choses qui viennent de l'inconscient c'est ce que Freud a, a, a théorisé dans la psychopathologie de la vie quotidienne. Voilà, c'est pour dire déjà aussi que la psychanalyse s'adresse à tous les êtres humains et que euh, c'est pas simplement, c'est pas simplement ceux qui souffrent de troubles psychiques, voilà, mais que c'est une technique d'exploration du psychisme humain. Voilà. Alors donc j'en viens, euh, j'en viens quand même à vous dire quelques mots rapidement. De, il y a beaucoup de concepts de, 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 de dans la psychanalyse. Alors je vais vous en dire quand même quelques uns d'une façon assez rapide. L'inconscient, bon, on l'a dit. Le refoulement, c'est par excellence ce qui définit l'inconscient. C'est-à-dire que toutes les idées qui doivent être censurées ou les idées qui, qui s'oublient, les idées qui sont, euh, voilà, au fur et à mesure de l'évolution, etc., du développement personnel, etc. Il y a des choses qui sont refoulées. C'est-à-dire que c'est des choses, sont des choses qui vont dans l'inconscient et dont on on se souvient plus. Alors euh, les, les instants, ça c'est très intéressant parce que. Alors je vais aller vite quand même parce que sinon ça va nous retenir. Il a défini ça, ça. On le retrouve beaucoup dans la psychanalyse. On retrouve la notion du sang, c'est-à-dire c'est un réservoir d'épulsion. Il y a toutes les choses bonnes et mauvaises. toutes c'est comme c'est un peu c'est très proche du corps puisqu'il y a toutes les choses toutes les excitations physiques qui se traduisent psychiquement. Il y a euh, le, 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 le il y, a, il y a le moi, si vous voulez, et il y a le conscient. Bon, là ne regardez pas ça parce que c'est une autre topique, et ça va nous, ça va nous prendre trop de temps. Donc conscient, le moi, et l'inconscient. Alors le moi c'est l'arbitre. Si vous voulez c'est le parlement. C'est-à-dire il y a des choses qu'il laisse passer dans le conscient, il y a des choses qu'il refoule, voilà. Et il fait les compromis. Et quand une hystérique elle a des symptômes, elle tombe et des choses comme ça, ce sont des formations de compromis entre le souvenir ou des fois qui est souvent sexuel et la façon dont il peut accéder à la conscience. Donc elle fait un, un symptôme, voilà, de conversion, elle tombe, etc et des fois ça a l'air, des, des fois l'hystérie a des allures tout à fait extatiques qui rappellent la jouissance, et c'est pour ça qu'il y, y a eu des grands débats, on n'aura pas le temps aujourd'hui, sur la question de, de, de la transe par exemple, est-ce que la transe est une hystérie ou pas Alors les plus simplistes disent oui c'est une hystérie, point, et les, quand même ceux qui travaillent avec les anthropologues et les philosophes disent que c'est un peu plus compliqué puisque c'est pris, dans la culture et qu'il y a une dimension universelle voilà de 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 disons de de, 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 de de détachement de la personne par rapport à sa conscience mais en tout cas c'est c'est voilà en tout cas c'est c'est quelque chose si vous voulez qui qui met en jeu l'inconscient les théories sexuelles aussi sur lesquelles Freud a, à la fois a surpris et a été très critiqué à l'époque dans une Vienne puritaine où il a dit il a parlé de la sexualité de l'enfant que la sexualité existait chez l'enfant, mais c'était une sexualité infantile quand il a parlé du stade oral, stade anal, etc. La sublimation, c'est quelque chose, je reviens à la pulsion, la sublimation, c'est quelque chose de très intéressant parce que si vous voulez, dans l'ordre des pulsions, il y en a qui sont refoulées, il y en a qui sont, qui sont agis, il y en a, c'est-à-dire qui sont, qui sont satisfaites. Il y, a des, il y a des pulsions, par exemple, la pulsion de manger ou de boire, etc. Bon, ben, c'est une pulsion, une excitation qui vient du corps et une fois qu'elle est satisfaite. Elle disparaît. Les pulsions sexuelles aussi. Alors, il y a des pulsions qui ne sont ni, euh, ni des pulsions d'autosatisfaction, ni des pulsions sexuelles, et qui, vont, qui, 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 qui suivent un autre chemin. Et c'est ce qu'on appelle la sublimation, au fond. C'est la dérivation des pulsions vers les activités artistiques, intellectuelles, etc. Il y a d'autres termes, mais je dois avancer quand même. Euh, voilà. Euh... Alors, écoutez, je viens à une question qui est très important je vais vous dire quand même non, non je vais dire quand même un mot deux mots la dénégation c'est très très intéressant parce qu'on la rencontre dans la vie courante vous savez quand quelqu'un vous dit tu vois tu, je t'ai raconté telle histoire et tu penses que je tu penses que je pense à telle personne à ma mère par exemple ben non je pense pas à ma mère mais la façon dont il le dit et il se justifie eh ben il, comme dit freud c'est la signature du refoulement, il s'agit bien de, 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 de sa mère. Et la dénégation est très, très intéressante parce qu'elle a fait l'objet de, de, de considérations philosophiques. On peut lire, par exemple, un commentaire de Hippolyte sur la dénégation parce que c'est comme si c'était une acceptation intellectuelle de quelque chose, mais qui n'est pas, pas vécue. Vous voyez Donc, on affirme une chose, mais on la, on la refoule en même temps, on la dénie. La résistance, bon, c'est aussi très intéressant parce que. Ben, parce qu'on la rencontre tous les jours. Il y a des gens, c'est pas parce que quelqu'un a une hystérie ou des obsessions, etc., qu'il va venir et il va parler. Il y a des gens qui ont des symptômes et qui ne veulent pas parler et qui, euh, et, ou alors qui parlent jusqu'à un certain moment et puis qui s'arrêtent. Et c'est quelque chose que, 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 éthiquement parlant, qui se respecte pour le psychanalyste. Alors, la pulsion, elle a quelque chose de, la pulsion, c'est une notion fondamentale parce que, disons, que c'est un concept qui est limite entre le corps et le psychisme, elle va, elle va nous intéresser. Elle va nous intéresser parce que si vous voulez, elle est à la fois d'ordre physique et d'ordre psychique. Et et et, et là, ça, ça fait réfléchir puisque la science maintenant, la, la psychanalyse se, se détache des conceptions euh, organicistes, Mais en même temps, je veux dire, il y a un roc biologique que personne ne nie. Donc, comment comment se passe l'interface? Et eh ben ce concept limite, et eh ben il, il va m'amener à une réflexion incontournable aujourd'hui, où je vais un peu sortir de la psychanalyse, mais en même temps en y restant, pour vous parler de la question des des, des liens entre psychanalyse et neurosciences, qui fait aujourd'hui partie des recherches les plus récentes et qui ont beaucoup beaucoup évolué. Vous voyez, avant c'était les neurosciences, on disait voilà, le cerveau c'est ça, c'est les synapses, c'est c'est les neurones, etc. Et ça n'a rien à voir avec le cerveau fonctionne comme ça. Il y a un neurologue qui s'appelle Jean-Pierre Changeux, qui est très connu, qui avait qui avait écrit l'homme neuronal, qui avait été très critiqué. C'est comme si on, c'est comme si notre cerveau, le fonctionnement, c'était était, c était le, le 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 siège de notre de nos actions et aussi de notre pensée. Or justement, la découverte freudienne, la découverte freudienne, elle va à l'encontre de ça. Elle dit que le fonctionnement des 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 neurones n'explique pas le fonctionnement psychique alors c'est pour dire voilà je, 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 je vous présente les deux tableaux d'un côté les neurones et de l'autre le divan du psychanalyste mais c'est pour dire que ce sont deux domaines hétérogènes incommensurables il faut pas chercher d'analogie entre les deux alors pourquoi je vous en parle alors si c'est tout autre chose non je vous en parle parce qu'aujourd'hui la question qui est posée c'est l'articulation c'est-à-dire que aujourd'hui les psychanalystes pour, pour 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 avancer dans leur dans leurs recherches ne peuvent pas méconnaître tout ce qui se passe aussi bien dans la philosophie l'art la, la 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 littérature l'anthropologie la, et, et 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 les neurosciences alors il y a des recherches des recherches maintenant sur la question de de donc de, de des, des articulations alors c'est ça ce que je vais essayer de, de vous montrer et, et et qui va nous faire réfléchir alors oui je reviens à cette phrase vous voyez je que je vous ai dit tout à l'heure. Regardez cette phrase de Freud. La biologie est vraiment un domaine aux possibilités illimitées. Nous devons nous attendre à recevoir d'elle les lumières les plus surprenantes, et nous ne pouvons pas deviner quelle réponse elle donnerait dans quelques décennies. Donc, voyez, c'était. Il est toujours resté scientifique. Il n'a jamais, si vous voulez, il s'est jamais démarqué ça, sauf qu'il a situé les choses dans leur dans leur registre. C'est ça que je vais essayer de vous montrer. C'est l'articulation des registres. Alors euh, voilà ce qui est intéressant si vous voulez voilà c'est ici vous avez les neurosciences et ici vous avez la psychanalyse. Ce qui est intéressant ici c'est leur articulation. Il y a voilà ce sont deux deux ordres hétérogènes. C'est-à-dire que ce qu'on va voir c'est que la subjectivité elle va agir sur les facteurs objectifs, sur les facteurs et, 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 et inversement, c'est-à-dire que quand il y a une atteinte du cerveau, ben forcément ça atteint la, la pensée. Mais les, les, le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement du cerveau n'explique pas, n'explique pas la, alors n'explique pas la pensée. Alors la grande découverte, la grande découverte de, de des neurosciences, c'est la notion de, de 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 plasticité. Parce que juste pour préciser un peu plus, si vous voulez, pour être un peu plus clair, donc les neurosciences. Il s'appuie, ce sont les sciences au sens de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences expérimentales. Il faut être tout à fait clair. Les, les, la psychanalyse n'est pas une science expérimentale. Les, la, la, les neurosciences s'appuient sur une objectivité, sur une méthodologie scientifique, avec l'évaluation, avec euh, euh, voilà, la démonstration, etc. Chose que la psychanalyse ne fait pas, parce que la psychanalyse va s'intéresser à la subjectivité, mais pour la théoriser, justement, c'est pour ça que je vous ai montré les concepts, pour que vous compreniez, pour la théoriser partir d'une subjectivité pour, faire, pour en faire une objectivité au plan théorique, si vous voulez, au plan épistémologique, hein, pour avancer déjà euh, ce mot. Euh, voilà. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la parole, si elle a des effets sur le cerveau, elle a une matérialité. La parole a une matérialité. Ça, c'est fondamental. Alors, euh, la question de la, de la plasticité. Alors, bon, vous savez, il y a beaucoup de, de choses. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Pour, pour, pour suivre l'évolution des choses. Freud, euh, dans la, la même époque que l'interprétation des rêves, il a écrit l'esquisse le, d'une psychologie scientifique. Et il a essayé de montrer que les perceptions montrent, laissent des traces dans le cerveau, etc. Mais il n'y avait pas, si vous voulez, il n'y avait pas l'imagerie la la, cérébrale qu'il y a aujourd'hui. On ne voyait pas les, les, les zones cérébrales, on ne voyait pas la circulation, etc. Bon, euh, donc je vous ai parlé, bon, Lacan... On peut pas en parler rapidement, mais enfin il a, il a, ça, ça va intéresser intéressé le mat les mathématiciens parce que Lacan a travaillé sur la topologie. Justement, il a mis en espace les, les, les concepts psychanalytiques. Alain Kohn, le mathématicien, qui a beaucoup apporté, Damasio, qui a apporté beaucoup sur la compréhension de la cognition et de et de et de l'émotivité. Alors Eric Kandel, on va s'arrêter sur Eric Kandel parce que Eric Kandel était psychiatre et psychanalyste. Il a eu en l'an 2000 le prix Nobel parce que il a découvert une chose fondamentale qui est que l'expérience laisse une trace. Ah, quelle est cette trace Alors je vais y venir. Ensuite, je vous citerai des travaux de Hans Hermé et Pierre Magistretti qui est psychanalyste et magistretti, donc dont je m'inspire beaucoup, voilà, qui, que, que nous avons déjà invité au Maroc plus d'une fois, avec qui on est en contact. C'est-à-dire que c'est ils ont, ils ont écrit un livre très intéressant. À chacun son cerveau, c'est-à-dire que justement, euh, on, on est chacun tous des milliards de personnes, on est fait d'une façon différente, et chaque jour notre cerveau fonctionne de façon différente. Si vous lisez un livre aujourd'hui que vous avez lu il y a dix ans, eh ben vous ne le lirez pas de la même manière. Pareil pour une pièce de théâtre, ou tout ce qu'on veut. Voilà. Donc je me suis beaucoup appuyé sur Pierre encermé et sur Pierre <laughs> Magistracy François encermé Paul Ricoeur qui a écrit avec euh, avec jean Changeux voilà. Et pour qui, justement, l'objet mental a deux versants, l'objet, le, le versant psychique et le versant physique. Agide, c'est un neurologue, Cyril Nick, la star aujourd'hui des médias en ce qui concerne la psychiatrie, la psychanalyse. Voilà. Alors, euh, je vais très très vite, si vous voulez. Ça, c'est la cellule du, le neurone, c'est la cellule de, du cerveau. Avant, on croyait que c'était que des filaments. Mais, voilà, mais avant, mais après, avec justement euh, euh, celui-là, euh, Santiago Ramon y Cajal, et, euh, il a découvert que le, le, le cerveau est fait de neurones. Alors, il y a des milliards de neurones dans le cerveau, pour vous donner une idée. Et les neurones sont articulés entre eux euh, au niveau de ce qu'on appelle la synapse. On appelle de, de, au niveau de ce qu'on appelle la synapse. Alors, la synapse, si vous voulez, c'est l'articulation entre deux neurones. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ça qui est très, très important. Ce qu'a découvert, euh, la, la, découverte qui lui a valu le prix nouvelle, l'expérience laisse une trace, c'est-à-dire que quand il y a une expérience, ce neurone va donner des informations. Ces informations, elles vont, elles vont se faire comment? Eh bien, elles vont se faire par ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, les neurotransmetteurs, qui sont des petites vésicules de substances qui se transmettent par l'intermédiaire de cette membrane au neurone suivant. Alors, c'est, c'est essentiel, si vous voulez, parce que, vous allez voir, c'est à la fois les stimuli qui sont externes, ils vont aller au cerveau, lequel va rebondir en donnant aux autres neurones. Et il y a une interactivité permanente avec, euh, avec euh, l'environnement. Le, euh, voilà, donc très, très schématiquement. Et, et, mais, mais euh, voilà. Alors, voilà un schéma qui explique bien les choses, si vous voulez. Si on tient compte du génotype, c'est-à-dire le capital génétique, et puis l'apparence du, du, du génétique le (génotype) et phénotype. Donc l'environnement influence le génotype qui donne le phénotype. Ça c'est le modèle interactif. Alors euh, l'environnement, aujourd'hui je vous signale, ce qu'on appelle l'épigénétique, elle est reconnue comme ayant un rôle fondamental. L'environnement, elle est même euh, perçue par certains comme plus importante que le génotype. Et si on parle du, de l'environnement on parle de, de, du, de, du, du pays, de la géographie, de la culture, et pour ce qui concerne notre enseigne, évidemment, le langage. Évidemment, le langage a des effets considérables sur le phénotype. Ça, c'est le modèle traditionnel. Mais avec la découverte de la, de la, de la plasticité, donc le génotype, avec l'influence de l'environnement, agit sur la plasticité. Et c'est quand il y a plasticité que que survient le, le, le phénotype. Donc, vous voyez, quand même, ça, c'est quelque chose, voilà. Donc, c est, c est, pourquoi c'est essentiel Parce que ça démontre, ça démontre en pratique que, euh, que le cerveau, le cerveau tout entier, c'est quelque chose de plastique. Le cerveau, c'est pas quelque chose. De, euh, le, le, le cerveau, si je vous dis qu'il y a des milliards de neurones et que. et, et, et des milliers et des milliers de, 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 de synapses, etc., entre chaque neurone, entre deux neurones, il y a des milliers. Et eh ben, ça veut dire, si vous voulez, qu'il y, y a quelque chose. Parce qu'on dit, par exemple, que les cellules du cerveau euh, se régénèrent ou bien s'atrophient. Mais même si elles s'atrophient, ce n'est pas un problème parce qu'il y en a des milliards et toutes ne fonctionnent pas. Euh, c'est Agide, dont je vous ai parlé, qui donne l'exemple d'une forêt vierge. Quand vous avez une forêt vierge où il n'y a aucun sentier, vous êtes obligé d'abattre des arbres pour passer. Donc, c'est ça. Alors, donc d'abord, le cerveau est énormément plastique. Il est sensible à l'environnement. Et ça veut dire que, justement, cette, cette belle phrase de, de François Ancermé que je citais, nous sommes déterminés pour ne pas être déterminés. <laughs> C'est-à-dire que l'inné n'est pas définitif. voyez on est, on, est tout le temps, on est tout le temps soumis à, 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 à l'environnement, etc. Lacan a théorisé des choses très intéressantes sur, en partant d'Aristote sur tuquet et automaton. Hein, la chose qui, qui se répète, l'automaton. Quand vous sortez, vous allez faire votre marché, vous allez à votre travail, etc. Et puis la tuquée, qui est l'accident, eh l'accident qui arrive auquel vous attendiez pas, celui qui reçoit un pot de fleurs ou celui qui reçoit un prix, ne s'attendait pas. Donc ça peut être des bonnes et des mauvaises choses. Eh bien, le cerveau a la capacité de rebondir. Alors que quand vous allez dans, sur votre chemin, vous connaissez votre chemin, il n'y a pas de problème, vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir. Quand il y a quelque chose de nouveau, non seulement vous réfléchissez, mais il y a des choses qui vous se passent à votre insu et qui et qui vous permettent de, de, voilà, de, de, de rebondir. Et, 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 voilà. et donc, c'est aussi des choses comme ça qui prouvent que le cerveau est, est, éminemment, euh, est, éminemment, est éminemment plastique. Alors, euh, il y a un autre fait. Donc, je, je répète parce que je vais un peu vite et pour ceux qui n'ont jamais entendu ces notions, ça peut être un peu compliqué. Donc, l'expérience laisse une trace. Ces traces sont visibles dans les neurotransmetteurs qu'on a vus au niveau de la synapse et au niveau du génotype. Voilà. Mais elles sont aussi associées à des états somatiques. Et je vais vous donner un exemple qui va illustrer. Alors, euh, oui, alors, avant de vous donner. Ou alors, je vais je vous vais donner l'exemple maintenant tout de suite. Donc. Voilà. Alors, on va prendre l'exemple du bébé. Le bébé, quand il a faim, c'est. C'est un déplaisir. C'est un déplaisir. Il va crier. On lui donne le biberon. Donc, l'excitation va diminuer. Ce sera du plaisir. Voilà. Déplaisir, des décharge des de l'excitation, excita décharge de l'excitation, du plaisir. Et vous pouvez transposer ça sur un tas de choses concernant les pulsions. Déplaisir, plaisir et fin du de, 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 de déplaisir. Ce qui est intéressant, c'est que quand je vous ai parlé de, de l'expérience, c'est que des traces, eh c'est que ça s'inscrit. Alors quel est l'intérêt L'intérêt, c'est que quand il arrive quelque chose qui vous rappelle ça, c'est déjà inscrit. Et ça peut prendre une dimension plus grande que ce qu elle, qu elle, que, que l'événement lui, 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 euh, lui, lui procure. Mais je reste au niveau du bébé. Au niveau du bébé, si vous voulez, quand il y a ça des plaisirs tétée ou prise du sein donc décharge d'excitation de plaisir par la et, et ça c'est par l'action de la mère qui va lui donner la tétée bon du père aujourd'hui aussi de plus en plus hein, mais le sein c'est la mère quand même hein. euh, voilà alors mais par la suite comme c'est associé à un plaisir il suffit qu'il se mette sur le sein de la mère pour qu'il ressente le plaisir sans qu'il ait sans qu'il ait à, à boire le à boire le, 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 le lait, voilà. Donc, c'est ça l'inscription de l'expérience, si vous voulez, c'est que était, et, et est inscrite comme un souvenir de plaisir et étant inscrite, il suffit de l'action de l'autre, même un mot aussi, pour rassurer le bébé, voilà. Et vous pouvez transposer ça sur un tas de choses. Alors, pour synthétiser et... Pour synthétiser et, et, et conclure sur cette, sur cette question, Freud était parti sur le fait que l'expérience donne des signes de perception, et il avait appelé ça la trace psychique. Mais il n'y avait pas de données neuro, neuroscientifiques, il n'y avait pas. C'était bon, c'était des intuitions, on va dire. D'ailleurs, la science, ça aussi, on peut l'ajouter. Si Freud, la science progresse par intuition. Hein. Il y a des intuitions qui ensuite, si vous voulez, sont formalisées et qui qui ensuite évoluent vers des, des, des concepts scientifiques, des théories scientifiques qui sont qui sont en mouvement. Donc ça c'est Freud. Maintenant, si on en vient aux neurosciences, eh bien, les neurosciences on a vu que les neurosciences, là, la perception, mais la perception, ça donne une trace synaptique. Et là c'est objectivé dans les dans les dans dans, dans les examens. Alors, avec Lacan, dont je vous ai pas, j'ai pas eu le temps de vous parler, c'est normal. Euh, si vous voulez, l'expérience toujours donne une, une perception. Ça donne le signifiant, c'est-à-dire que le signifiant, il est associé à une situation. Et si vous dites le mot pomme, et eh ben si vous êtes en train de manger, eh ben ça signifiera l'aliment. Si vous parlez d'Adam et Ève, ça signifiera toute autre chose. Voyez. Donc le signifiant, il est lié à l'expérience. C'est pour ça que le Lacan, la célèbre formule de Lacan, c'est le signifiant représente le sujet pour un signifiant. Un signifiant, un mot, n'est rien tout seul. Un signifiant, il, est, il, est, il, a, il a un sens dans, dans une phrase, dans un contexte. Donc, pour nous résumer, il y a une convergence entre la perception de Freud, la trace synaptique des neurosciences et le signifiant chez Lacan, voyez c'est ce que voilà, j'essaie de vous montrer que ce sont des champs tout à fait hétérogènes, mais qui s'articulent et même, on va dire, qui se complètent, quoi, puisque les mots produisent des émotions, les mots produisent des satisfactions ou, au contraire, des blessures, etc. Voilà pour finir sur cette partie sur les neurosciences. Maintenant, j'en viens à quelque chose qui est alors, en, voilà, j'ai cheminé doucement. J'en viens au cœur du sujet et je laisse un peu je laisse un peu voilà les, les schémas pour essayer d'être suivi dans, dans le raisonnement bon donc vous aurez compris que quand même dans ce cheminement il faut distinguer la science expérimentale hein, celle qui voilà qui se produit en laboratoire qui se vérifie etc et la science j'avance le mot, et la question de la science comme esprit scientifique, démarche scientifique, rationalité scientifique. Voilà, c'est à ça que je veux venir. Donc, euh, pour euh, pour les philosophes, euh, je dirais que je me suis beaucoup référé dans cette partie au, au travail incontournable de Gaston Bachelard sur euh, l'obstacle épistémologique. Alors, donc, euh, je, je dirais donc à ce sujet que justement. Euh, le, le discours, le discours scientifique, hein, ce n'est pas la science expérimentale, apporte une explication rationnelle. Et je vous dirai comment, au fond, cette explication rationnelle, elle peut expliquer la magie, elle peut expliquer la sorcellerie, elle peut expliquer des phénomènes qu'on peut app apparenter à l'irrationnel, qui ont leur rationalité. Je, je, je vais y venir. D'ailleurs, L'un des enjeux de cette question, si vous voulez, de, 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 la, de cette question, la psychiatrie était, était une science. L'un des enjeux, c'est la question de l'évaluation. Vous savez, les scientifiques nous reprochent de refuser l'évaluation. Alors, on leur dit d'une part que, d'une part, que euh, la souffrance psychique ne peut pas être soumise à évaluation. Vous pouvez sou subir le même traumatisme et l'un va le vivre à 10% et l'autre va le vivre à 99%. Donc, donc, l'évaluation, elle est biaisée. Et, et d'autre part, parce que, si vous voulez, si on met une cause à un événement, par exemple, un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, on va dire c'est à cause de la séparation parentale. Bon, c'est une causalité. Voilà. Mais pour le psychanalyse, pour le psychanalyse, si vous voulez, cette réaction suite à une séparation parentale, va produire des effets tout, totalement différents selon, selon les, les individus. Donc, la psychanalyse va s'intéresser non pas à l'observation, ça ne veut pas dire qu'elle qu qu oublie l'observation. Elle s'occupe de l'observation, je vous l'ai dit d'ailleurs pour Freud. Mais elle va s'occuper de la subjectivité, du vécu de chacun, vous voyez Et donc, c'est pour ça que si la médecine c'est une clinique, après tout, la psychanalyse c'est une hyper-clinique, comme l'a dit un, un grand psychanalyste qui est euh, euh, Daniel Lagache. Vous voyez. Donc, si vous voulez, il y a un passage, donc, de l'observation à l'écoute. Et de fait, la psychanalyse, elle a son propre champ épistémologique. Elle a, euh, elle a, elle est une pratique clinique avec sa méthode, ses théories, son opérabilité, ses résultats. Vous voyez. Et c'est en cela qu'à mon sens, on peut lui attribuer une valeur scientifique, un esprit scientifique, une valeur scientifique. Alors, comment ça se passe dans la pratique? Dans la pratique, si vous voulez, pour moi, évidemment, euh, formé à la psychanalyse occidentale, à la psychiatrie d'abord, à la psychanalyse, eh bien, je reçois des gens qui ont, euh, qui se sont plaints de danseursellement, ou bien qui qui parlent d'atteinte par les genoux, etc. Euh, du temps de la psychiatrie coloniale, les psychiatres coloniaux disaient, bon, ça, évidemment, ce sont des phénomènes apparentés au folklore, et puis ce sont des phénomènes tout à fait irrationnels et qui vont disparaître quand on fera avancer la science par justement la conquête pacificatrice ou idéologique et tout ce que vous voulez. Et donc, je me positionne autrement, c'est-à-dire que... Euh, je vais écouter la, la, la personne, je vais l'écouter dans ce qu'elle présente. Et là, euh, il y a un travail aussi pour euh, les les philosophies, un travail très intéressant de Derrida qui s'appelle les résistances. C'est-à-dire que si je dis voilà, vous pensez que c'est c'est le sûr ou que c'est un jeune, si j'utilise un concept psychanalytique, je dis c'est une projection, tout de suite, je vais me heurter à une résistance, c'est-à-dire on va dire, ben non, il, il, je vois pas ce que vous voulez dire, et, et de toute façon, euh, il s'agit de quelque chose et j'y crois. Et donc, si je l'écoute, si je l'écoute, je donne un sens à ce qu'il dit. Ça, c'est très, très important. Dans ma tête, les, les concepts fonctionnent, mais, mais c'est, disons, c'est mon mode opératoire pour, pour travailler, si vous voulez. Donc, euh, au fond, dans ma tête, dans ma conceptualisation, donc... J'essaie de transformer ce discours en rationalité. Et comment? Eh bien, parce que si la personne franchit petit à petit ses résistances, elle verra ce qui lui arrive, pourquoi elle a pensé que c'est le gène, alors un autre fois, elle, elle pensait que c'était telle et telle personne. Donc, c'est un cheminement, si vous voulez, c'est un, 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 un cheminement sur le chemin de la science. Et si, 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 si on parle de la science dans un sens assez général, la science, comme je, je, je l'ai dit plus haut, c'est quelque chose qui, qui c'est un mouvement. La science, c'est une proposition qui ce sont des propositions qui sont jamais fixées. Vous voyez, c'est un mouvement qui va vers le rationnel. Ça, il faut il faut il faut il faut y insister. Euh, je vous rappelle des faits historiques qui sont qui ont toute leur importance. J'ai parlé de la j'ai parlé de le, voyez de de la psychiatrie coloniale. Je dirais juste un mot. Ce qu'elle a apporté, la psychiatrie coloniale, c'est quand même en disant voilà, en disant vous êtes non pas ensorcelé, mais vous avez une schizophrénie, elle a apporté une rupture épistémologique. C'est-à-dire que la croyance n'était plus attribuée à des forces obscures ou au cosmos, etc., mais elles sont attribuées à l'individu. Elles ont opéré, la science, donc, la psychiatrie a opéré une rupture épistémologique. Sauf que, Maintenant, on peut dire que c'était une pseudo-science parce qu'elle était teintée d'idéologie, d'a priori, de méconnaissance totale du terrain. Donc, ce n'était qu'une pseudo-science. Mais le, le fait est que elle a apporté cette, cette, cette coupure, et, et c'est ce qui la distingue. C'est ce qui a distingué, d'ailleurs. Je suis psychiatre, je suis tout à fait à l'aise pour parler de ça. Euh, à la différence du, 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 du psychiatre qui n'est qui n'est pas à l'écoute de la subjectivité mais juste de, de la classification du diagnostic je suis à l'écoute de la subjectivité et à ce moment-là vous savez quelqu'un qui a bon qui se dit qu'il est atteint par un gène, pour moi euh, bon il peut relever de plusieurs registres il peut être schizophrène mais il peut être un simple gentil névrosé il peut être simplement euh, normal avec ses croyances il peut être euh, voilà et donc euh, c'est ça qui fait que la, la, c'est ce qui distingue le psychanalyste du psychiatre, c'est que ce n'est pas la classification qui compte, c'est l'écoute du langage. C'est-à-dire, c'est l'appui sur la séductivité et le langage. Et le langage, ce n'est pas des commérages. Le langage, c'est une structure, vous voyez. Et le, le langage, c'est la chaîne symbolique qui, qui nous structure, qui fait que nous sommes des êtres, des êtres parlants. Deux exemples de rationalité dans l'histoire, et j'aurais presque, presque fini. Euh, deux exemples de rationalité dans l'histoire. Eh bien, vous savez, euh, à l'époque de la glorieuse, qu'on appelle la glorieuse médecine arabe. C'est pas encore pour revenir encore <laughs> pour la glorifier. C'est juste pour dire comment les, les savants arabes ont progressé. À l'époque, si vous voulez, il y avait bien sûr beaucoup de pratiques magiques, de sorcellerie, etc. Le travail des, des médecins arabes, ça a été ça a été une entreprise formidable de, pour la science qui a été de donner des interprétations savantes à la science à la à la sorcellerie et à la magie c'est-à-dire qu'au lieu de dire bon oui vous êtes atteint par quelque chose ils ont ils ont euh, ils ont euh, donné des explications sur les astres comme ils s'intéressaient beaucoup à l'astronomie ils ont donné des explications euh, qui sur 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 les astres et euh, par par l'astronomie des des les arts des effets sur le corps. C'est comme ça qu'ils ont expliqué les, les effets de la magie. À une exception, c'est Avicenne. Avicenne dénigrait ceux ce qui croyaient à l'astrologie parce que lui, il travaillait sur l'âme et donc pour lui, c'était des effets de l'âme sur le corps. Et à mon avis, il est à mon avis je tiens ça d'une philosophe qui est Myriam Septi, on ne pas la nommer, et donc qui, qui montre dans un ouvrage, je crois apparaître que euh, précisément, euh, c'est peut-être avant l'heure celui qui a découvert la, la, la médecine psychosomatique. Un autre exemple très très intéressant, euh, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que l'hystérie, l'hystérie donc voilà, donc c'était même si même si en prononçant le mot astre c'est faux aujourd'hui, même si c'est ce c'est pas le problème. Le, la, la question qui nous intéresse c'est que c'était une démarche rationnelle, scientifique. Ils ont fait progresser rationnellement la question de des de thérapies, des de, de croyances et donc fait fait progresser la science. C'est cette démarche rationnelle sur laquelle j'insiste. Et euh, au fond, il euh, y a un autre exemple qui est celui, si vous voulez, de l'hystérie. Avant, on croyait que c'était euh, c'était bon que les qui montait qui descendait dans le corps. Après, euh, euh, on, on s'est euh, on a commencé à donner de la valérienne et la valérienne elle a elle a apaisait les patientes. Alors ils ont dit, ils ont conclu que euh, la valériane empêchait le corps de l'utérus le, le, de circuler dans le corps. C'est amusant aujourd'hui, si vous voulez, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'utérus. Mais, mais à ce moment-là, en donnant un médicament censé empêcher l'utérus de bouger, ils étaient dans une démarche scientifique. Ils ont, ils ont même créé comme ça des médicaments avec, euh, avec la valériane comme, comme euh, ce principe actif, etc. Alors, pour, euh, pour finir, je vais je vais quand même en guise de conclusion une petite synthèse qui n'est pas inutile. Je vois quand même, je peux, Monsieur Silarouis, je peux en prendre quelques minutes. Hein? Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Prends, prends voilà. tu, es, tu es vraiment dans les temps. Hein? Bravo, bravo. Alors justement, c'est pour ça que je peux me permettre de faire oui. une, un petit schéma de synthèse tout à fait personnel. Voilà, et qui synthétise à la fois l'évolution historique et puis les différentes choses, les, différentes, les différents moments dont je vous ai parlé. Donc, l'apport de la médecine arabe fut de passer des représentations populaires, la magie, la religion, à la médecine rationnelle médiévale. Donc, ce que j'ai appelé les interprétations, ce que j'ai appelé, ce qu'on a appelé, hein, qui a été appelé les interprétations savantes. Ensuite, si vous voulez, ça d'ailleurs, ça a ouvert la voie, bien sûr, aux classifications, à la géographie occidentale, etc. Hein pour ça que quand on parle de, 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 de psychiatrie européenne, il faut faire attention à, à ce dont on parle. Hein. Je veux dire qu'il y, y a un héritage. Aujourd'hui, comme dit notre ami Ben l'héritage oublié. Donc, je fais une succession. Donc, si vous voulez. Alors, l'apport de la psychiatrie occidentale, ça a été que au fond, comme je vous l'ai dit, les représentations traditionnelles, la magie, la sorcellerie, la religion, sont tombés, si vous voulez, donc dans le dans le dans la sphère de la médecine scientifique. Et pour cela, ce qui était un système unique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'obsession, l'hystérie, la schizophrénie, etc., qui peuvent être toutes attribuées au même agent, le gène. Ici, c'est devenu un système pluriel, c'est-à-dire qu'on va parler de plusieurs classifications. Alors, qu'est-ce qui se produit C'est-à-dire que là, il se produit euh, euh, une coupure ce que j'ai appelé justement la coupure épistémologique parce que ici c'est un système global dans lequel l'individu est pris dans son environnement et c'est pour ça que ça m'intéresse en tant que psychanalyste à partir du langage pas à partir de la culture en disant vous êtes de tel endroit donc vous faites ça non c'est à partir de ce qu'il me dit la, la la perception de la culture elle est différente selon chaque individu elle ne définit pas l'individu et donc le système pluriel il a éclaté au fond il a il a juste donné il a juste donné des classifications, même s'il a cherché des causes familiales, des causes psychogènes, et des causes génétiques, il il, il, a, il, a, il a, il a, il a, il a coupé, si vous voulez, ce, ce, ce système. Et c'est au fond euh, ce que j'ai appelé le détour par la science. C'est une démarche scientifique. Voilà. Le détour par la science. Je parle de la science qui évolue, qui est en mouvement. Je parle pas de juste de la science coloniale qui était imprégnée d'idéologie et qui aujourd'hui D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les, les concepts, les concepts, les nosographies ont une vie et une mort. Il y en a qui sont, il y en a dont on ne parle plus du tout. Il y a des concepts dont on ne parle plus du tout. Et il y en a qu'on qu a utilisé, qu'on a inventé pour, pour, pour certaines causes. Par exemple, en psychiatrie, la monomanie, parce que les psychiatres voulaient être reconnus dans les tribunaux, etc. Donc, le détour par la science. Alors, donc, nous avons, une, nous avons ici une première rupture épistémologique. Dans les interprétations. Nous avons ici, avec la, la, psychiatrie, la psychiatrie, une deuxième rupture épistémologique. Vous voyez, en passant des thérapies traditionnelles au traitement pharmacologique. Et la psychanalyse, la psychanalyse ne va pas se pencher sur la culture, mais sur les mots de la culture. C'est comment quelqu'un parle sa culture. Donc, les mots de la culture, je dois ajouter de la culture et de la tradition. Et, 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 et donc, vous voyez, il n'y a pas une flèche dans un sens. Il y a une flèche dans deux sens. C'est-à-dire c'est une articulation. Et là aussi, c'est une coupure épistémologique. Bon, voilà, je crois que j'ai fini. Et je vous ai dit l'essentiel. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Jalil. J'ai trouvé ça euh, euh, passionnant. Et en plus, tu as tenu les temps, ce qui n'est pas toujours euh, le cas. Merci beaucoup. Euh, alors là, je, je pense que... Euh, Abla et Yassine vont commencer à faire euh, défiler des questions. Euh, tu vois les questions Je vais quand même les lire hein, à haute voix comme ça, tout le monde les entend. Euh, Fouad Bousfeha demande comment la psychanalyse résout les croyances liées à la foi et les affirmations de l'existence des, des djinns, et du rejet des croyants musulmans des avancées scientifiques, de leur écoute-communication, de tous les compatriotes qui, qui pensent ainsi. En fait, ce que demande Fouad Bousfeha, c'est comment finalement la, la psycho, psychanalyse par exemple dans notre pays arrive à vivre dans un, dans un environnement où il y a la foi les jeans le, le, la, la méfiance envers la science etc etc bon alors d'abord merci pour cette question qui est fondamentale de toute façon ça me permet de voilà d'expliquer de, 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 encore mieux ma démarche et mon euh, la façon dont je, je, je travaille et, c'est inévitable, évidemment, puisqu'on est dans un contexte et, et je, je pratique, disons, avec une ambition d'universalité, hein, de, de, de la pensée, de la science, et, mais avec justement les interrogations que, que nous sommes renvoyés par la, 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 le contexte, la culture et, 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 et la langue. Bon, je crois que d'abord, la question, je pense qu'il faut la nuancer. Je pense que tous les Marocains tous les musulmans ne sont pas dans le rejet, si vous voulez, de la psychiatrie, de la psychanalyse, des avancées scientifiques. Hein. Je, dire, je peux en témoigner, puisque de toute façon je pratique depuis bientôt 40 ans, et donc euh, je veux dire des gens croyants viennent euh, dans les cabinets, vous voyez, et viennent aussi en, en psychanalyse. Mais le, le problème de, de la croyance, c'est pas... C'est pas la croyance elle-même, c'est la, la croyance quand elle va dans, dans, dans l'extrême et qu'elle et, et qu rejette, qu rejette la science. Aujourd'hui, je crois que nous avons quand même des preuves sur le fait que des choses évoluent. Quand vous voyez qu'avec la Covid, hein, euh, la, la, la religion s'est adaptée à la science, hein, elle a quand même coexisté avec la science. Hein, si, si les mosquées ont été fermées, les rassemblements, etc., euh, c'est une grande différence avec autrefois où on disait non, c'est une punition divine. Euh, C'est une punition divine et donc euh, voilà, nous avons eu ce qu'on qu mérite. Aujourd'hui, on appelle Dieu pour nous aider à nous en sortir. Donc, d'abord, donc, il, 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 il y a des mutations sociales qui sont très importantes. Il y a une émergence de la parole individuelle. Il y a euh, l'ouverture que nous avons sur le monde. Tout ça est un facteur de... de, de si vous voulez, de, 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 de l'avancée et de l'intégration, de l'introduction et de la transmission de la psychanalyse dans notre pays. Donc, c'est un ensemble global. C'est pas juste parce que Ben Ali s'est installé là, que voilà, la psychanalyse existe. Il s'est installé là, et il crée une demande, c'est évident. On dit, les psychanalystes, qu'est-ce que c'est ça? Mais il y, a, il, y a, il y a tout un contexte. Voilà, donc, c'est pour nuancer, si vous voulez, la notion de. Deuxièmement, euh, la, 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 la psychanalyse ne prétend pas du tout. Euh, si vous voulez supprimer des phénomènes de croyance et de foi, euh, Freud avait parlé euh, de, de, de religion euh, en la comparant à la névrose obsessionnelle, mais plus il avançait et plus euh, justement il, euh, il s'est interrogé sur la question de la, euh, de, de la spiritualité. Et celui qui a le plus avancé sur la question de la spiritualité, c'est Lacan. Hein. Alors, vous voyez? c'est-à-dire que quand il parle de, de la spiritualité, il parle, fait des liens avec la jouissance, etc. Euh, la, la psychanalyse ne, ne supprime pas la foi, mais par contre, par contre, elle fait sortir la croyance de la névrose. C'est-à-dire que celui qui se réfugie dans la religion parce qu'il a peur et parce qu'il qu pense avoir commis, si vous voulez, des choses et il ne va vers la religion que par rapport à ses symptômes, ben ça oui. Et, je veux dire, la psychanalyse est censée l'aider à sortir de de, 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 de de ses peurs et qui et qui met c'est ça notre problème aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de névroses mises sur le compte de la religion vous voyez ah je vais pas sortir parce que dehors c'est pourri c'est impur etc ben non c'est quelqu'un qui a peur de sortir et, et qui est phobique vous voyez ou bien je vais me nettoyer tout le temps vous savez il y a des patients obsessionnels ben, L'obsessionnel, c'est quelqu'un qui, par exemple, parmi les obsessionnels, il y en a qui veulent se laver tout le temps. Ben, je veux bien qu'il fasse ses ablutions, même qu'il les répète une fois ou deux. Mais quand il les répète dix fois, même c'est pas, même c'est son entourage qui l'encourageait. Il dit maintenant, ça, ça devient maladif. Il faut que tu ailles voir quelqu'un. Donc euh, voilà. Donc et et, et au fond, euh, je voulais dire aussi une troisième chose par rapport. Euh, oui. Alors par rapport au gyn et euh, par rapport au gyn ben, celui qui vient me voir, il sait qu'il vient pas voir un guérisseur, un marabout, quand même. Il sait qu'il vient voir. <laughs> il vient voir un représentant de la science. Donc, soit il va me dire, est-ce que vous pouvez me désensorceler? Et je vais lui dire, mais encore, je vais quand même avoir cette attitude de, de psychiatre qui interroge. Racontez-moi, pourquoi vous pensez ça? Mais s'il en reste là, s'il dit non, moi je viens, ben, il se trompe d'adresse. Moi, je peux pas, je, je ne peux pas. Mais par contre, s'il évolue dans son discours, je, je peux l'aider. Voyez, c'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est très intéressant de de, 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 de de faire des liens entre la magie et, 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 et la psychanalyse. c'est c'est Mustapha Safwan, le grand psychanalyste arabe, qui a dit au fond, la magie, c'est le pouvoir des mots. <laughs> le magicien, il agit avec les mots. Le guérisseur aussi. La différence a dit Lacan entre le guérisseur et le psychanalyste, c'est que le psychanalyste ne doit pas en user, alors que le guérisseur en use, en use et en abuse. Euh, donc, mais la différence, c'est que justement, la parole, elle va s'intégrer dans une conceptualisation et dans une démarche rationnelle. C'est-à-dire que la démarche est psychanalytique, la psychanalyse qui est une théorie et une pratique, il faut toujours le dire, ce n'est pas juste une... Ce n'est pas parce qu'on aime bien parler à quelqu'un qu'on se vide, non. Une théorie et une pratique avec sa méthode, etc., et ses résultats. Euh, donc, elle, elle est rationnelle, au sens latin ratio. Voilà. Merci. Ben, okay. C'était très clair. Euh, Yacine, est-ce que tu fais défiler, habla? Alors, vous avez dit que les neurosciences et la psychanalyse sont deux domaines séparés, disjoints. Mais ensuite, vous avez montré un schéma où il y a quand même une intersection entre les deux. Alors, euh, je ne comprends pas, dit le oui. question. Écoutez, ce sont deux domaines. Alors, je reprends votre mot, c'est Je vais dire, je vais dire incommensurable, hétérogène. C'est pas la même chose. L'épistémologie des neurosciences, c'est pas l'épistémologie euh, psychanalytique. Mais il y a un point de rencontre. C'est ce que j'ai appelé l'articulation. Voyez? C'est à dire que le neuroscientifique ne m'est pas étranger. Je, je peux m'intéresser à ce qui se passe dans mon cerveau pendant que je parle. Et en même temps, je peux savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand ça ne, quand ça ne fonctionne pas. Ça n'explique pas la pensée. Hein, c est, c est, ça n'explique pas la pensée. Mais il se passe des choses. Il se passe des choses. Bon, il y a des gens qui. Il, il, y, a, il y a des recherches qui se font, par exemple, sur les phénomènes de la transe, par exemple. Quand il y a la transe, euh, des. des Certains, certains ont essayé de d'enregistrer de, 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 les, les, les 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 métabolismes cérébraux, etc. Euh, pendant pendant une phase de transe. Il se passe des choses. Il se passe des choses, mais c'est pas c'est pas ça qui explique ça. C'est pas la même chose. C'est à dire que elles, ce sont des domaines séparés, mais pas séparés. Ils sont hétérogènes, mais ils s'articulent. Il y a un point de rencontre. C'est celui qui m'intéresse. Voilà. Alors voilà. Mettez point de rencontre. Et je n'ai pas dit séparé d'ailleurs. Moi, j'ai dit, j'ai dit hétérogène et j'ai dit incommensurable. Alors, la dernière question, on va prendre une dernière question d'Amina Al-Hibabi. Vous avez dit que Freud avait découvert que la parole pouvait guérir le malade, l'hystérique en particulier à l'époque de Charcot, je suppose. Est-ce que cela signifie qu'il faut libérer la parole au sein de notre société, par exemple? Et je suppose qu'elle pose la question parce que libérer la parole dans une société où il y a autant de tabous et de chouma et de ceci, cela, c'est pas simple. J'interprète la, la question. Hein. C'est oui. la dernière question, by, by the way, parce qu'on a presque fini. Ben merci, merci Amina, je vois son nom. Euh, c'est très intéressant. Non, mais vous avez raison. Vous avez, parce qu'il y a un mot que je n'ai pas dit, alors merci. C'est le mot liberté. La psychanalyse, c'est une pratique de liberté. Quand on va voir le psychanalyse, le psychanalyse dit Vous pouvez tout dire ici. Évidemment, on ne peut pas tout dire dans le social. Mais quand même, la parole, c'est quand même libérée. Et cette libération de la parole, c'est un des facteurs quand même qui permettent l'émergence et l'introduction de la psychanalyse. Dans les pays de dictature, il n'y a, a pas de psychanalyse. Elle a été sauf, sauf en Amérique latine. C'est une autre, c'est un c'est une autre situation. Donc la question. Mais si on libère la parole, ça obéit à d'autres choses. Hein. Je veux dire, c'est pas on libère pas la parole au sein de la société pour faire de la thérapie. Attention, hein. <laughs> ne mélangeons pas les cadres. Mais il est évident qu'il y a une certaine liberté de parole qui a permis non seulement que effectivement les gens n'ont pas peur. Écoutez, si les gens par exemple se mettaient à avoir peur en venant chez le psychanalyste d'être écoutés ou d'être surveillés, eh ben on travaillerait pas. Vous voyez Donc quand même, vous voyez, il une, quoi qu'on dise, il y a une évolution, il y a quelque chose quand même qui qui a, qui a bougé. Et puis depuis quelques décennies, il y a quelque chose quand même qui a bougé. Maintenant, euh, évidemment, si, si si, 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 alors je vous donne un exemple très très simple aussi: l'évolution l'évolution de, de, de la parole dans la société. Vous savez quand j'ai commencé à exercer, on voyait ce qu'on ne voit plus en Occident, c'est- à-dire les hystériques qui font des grandes paralysies, des, 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 des crises d'agitation etc. On en voyait beaucoup. Aujourd'hui on n'en voit plus presque plus. Ça ne veut pas dire que exist existe l'hystérie n'existe plus. Ça veut dire que la parole s'est libérée et que la structure hystérique elle a pris d'autres formes elle a pris d'autres manifestations, d'autres modes d'expression. Donc, c'est lié en étant évidemment deux champs, le champ du divan et le champ social, mais c'est une bonne question qui nous permet, je crois, de bien finir en nous ouvrant sur le social et la liberté. C'est Vraiment, c'est une très bonne conclusion. Il me reste plus qu'à qu te remercier, Jalil, parce que c'était passionnant, de bout en bout, franchement. Je crois que les auditeurs en seront d'accord avec moi. Merci beaucoup, on se revoit quelque part en novembre à Bengrir à l'université pour la deuxième partie de la semaine de la science de l'UM de l'université Mohamed VI Polytechnique on se revoit, merci à, à, à Yassine et à Abla pour la technique et merci à vous spectateurs d'avoir regardé cette sixième et dernière grande conférence de la semaine de la science de l'université Mohamed VI Polytechnique Merci et au, merci. au revoir Merci